Donc entre c'est ça de belle vidéo et ça. Ouais. Que les gens abandonnent leur maison à cause des massacres. Oui, mais vous avez raison, c'était une grande ville. Je vois que donc il y a quelques, certaines personnes qui résistent. Oui. D'autres, ils reviennent seulement la journée, le soir ils fuient. Pour aller voilà. Passer une allégeance à la voyage. Voilà. Là, nous sommes dans le territoire de Béni. On vient de descendre de l'aéroport. Et vous voyez les maisons de l'Ouest. Les gens ont abandonné le plus en plus de massacres. Et il y a que certaines personnes qui rentrent la journée. Et certaines personnes qui ont des massacres. Voilà. Donc là, nous allons vers Ocha. Oui, il y a un grand meeting. Il y a des foules et des foules qui entendent les candidats de l'unité nationale, les candidats de la sécurité, Martin Fayulu. Mais j'ai fait cet élément pour vous montrer que la politique sécuritaire de M. Tshilombo est un fiasco complet. Voilà. Vous connaissez ce que c'est qu'un attachement à la maison où on est né, hein, à la terre où on est né. Voilà. Les populations ont abandonné les maisons à cause de l'insécurité. Soit ils viennent la journée, et puis la nuit, ils vont aller à Ocha ou à Benville, c'est ça? Ouais. Et puis là, ils vont passer une nuit là-bas. La question de la sécurité, pour les candidats numéro 21, est une priorité des priorités. Donc ici, entre l'aéroport de Beni, territoire de Beni, et Ocha, c'est presque comme une ville fantôme ou un village fantôme. Les gens ont fui les maisons, il y en a qui viennent, cherchent quelque chose et qui rentrent. Donc c'est très grave. Là, nous arrivons vers de Ouïcha. Cité de Ouïcha appelée Mbaou. Voilà, cité Mbaou. Voilà, nous entrons déjà dans Ouïcha, là où on va tenir un meeting. Donc la sécurité le mois de janvier. C'est l'église de Mbaou, là où on avait enlevé trois prêtres catholiques. Oui. Au début de massacre, oui. C'est ici où on avait enlevé trois prêtres. Et oui. Jusqu'à ce jour. Cette année? Non, en 2014, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Trois prêtres catholiques. Oui, trois prêtres. Enlevés en quelle année? En 2013. En 2013. Nous sommes les corps n'ont jamais été retrouvés. Jamais. Dans cette église-là. Si, dans cette église de Mbaou. Mais comment voulez-vous que les gens vivent ça? Si les prêtres peuvent être enlevés et tuer les corps, ne jamais les trouver. Comment voulez-vous que les gens puissent être... Voilà. Donc, Prince Epengue, notre rôle à nous, c'est de vous faire découvrir également le Congo. Et vous dire ce qui se passe ici. On vient jusqu'ici pour vous montrer la grandeur du Congo. Je me rends compte que pour diriger le Congo... Il y a de l'eau ici. Il ne suffit pas, moi aussi, j'ai besoin d'une bouteille. Après, ma meeting, tout ça qu'enchaîner. Excusez-moi. Donc, pour diriger le Congo, vu la grandeur du Congo, nous venons de Kisangani. Nous étions à Bouta, plein à craquer. Nous étions à Isiro. C'est là où on a passé nuit. Nous étions à Kisangani. Là, nous allons à Ocha. La foule nous attend là-bas, qui est le chef de la du territoire de Beni. Et puis le soir, deuxième meeting là-bas, du côté du territoire, donc du côté de l'aéroport. Mais notre pays, le pays est très grand. Aimer le Congo ne suffit pas. Oh, Fatia Linga Congo, non, pour Linga Congo ne suffit plus. Aimer le Congo ne suffit plus. Aimer le Congo m'a aussi les compétences, de connaître le Congo. Et fin de l'autre, le temps viendra où je dirigerai le Congo. Pour l'instant, nous apprenons. Partout, j'étais en Bandaka, à Bouyende, à Lissala, à Tikapa, à Kananga, à Kenge, à Massimanimba, à des villes. Bandundouville, en Bandaka, partout où on va, comme le chef, à Kisangani, regorge, nous voulons comprendre comment ça se passe. Que demain nous puissions, pas comme Félix qui s'est entouré de gens qui sont venus de l'Europe, qui n'ont jamais été dans un seul territoire, et qui confectionnent un projet bidon de 145 affiches à Bounia. Mais ici, à la population de Bouta, ce n'est pas 145 territoires,
c'est quand 145 affiches. Parce qu'il n'y a que des affiches. Il n'y a rien. Je vous laisse découvrir un peu les villes avec l'honorable Kasekwa. Tant de familles. Pardon, honorable. Vous avez là, c'est direct, hein. 46 personnes en direct nous suivent. Un peu la ville, comme vous le dites là, même en 5 minutes. C'est ça aussi la découverte du Congo, parce qu'il y aura, ici, il y a 50 000 personnes qui nous suivent dans ces comptes Prince Epengue. Donc, nous sommes sur la route Beni Komanda Kisangani. Et nous venons de l'aéroport de Mavivi en destination de la commune rurale de Oicha. Oicha, c'est le chef-lieu du territoire de Beni. Beni, qui est le territoire de la RDC frontalier avec l'Ouganda. Lorsque vous quittez Beniville pour aller à Kasindi, Kasindi, c'est là qu'il y a la douane qui relie notre pays, la RDC, avec l'Ouganda. Donc ça, c'est la route qui mène jusqu'à l'Ouganda. La route vient de l'Ouganda. Cette route vient de l'Ouganda. Le début de la RTC de cette route, c'est Kasindi. Kasindi, vous franchissez la rivière Semuliki. Vous atteignez la ville de Beni. À partir de la ville de Beni, à 25 km, vous êtes au chef-lieu du territoire appelé Oicha. Du chef-lieu du territoire Oicha, vous atteignez Eringeti. Eringeti, c'est l'agglomération à la frontière entre le Nord Kivu et l'Ituri. Et là, à partir de Ringuette, vous commencez le territoire du Touré jusqu'à la ville de Komanda. Arrivé à Komanda, vers Kisangani. Donc, il est possible, il existait une route qui allait de Kasindi, Beni, Komanda, Kisangani. De Kisangani, vous allez à Boende. De Boende, vous atteignez l'équateur. De l'équateur, vous êtes à Kinshasa. Donc, il est possible de quitter Kinshasa avec un véhicule. Arrivé à l'équateur, vous entrez Kisangani, Kisangani, Beni, donc jusqu'ici. Oui, je vous dis. Il y a une route. Vous allez par Bandundu-Ville et il y a une route, mais toutes ces routes-là sont devenues impraticables, abandonnées, du fait de l'absence de l'autorité de l'État. Et donc là, nous sommes déjà à Oicha et le président élu Martin Fayulu, candidat numéro 21, devrait descendre pour aller rencontrer les rescapés du récent massacre qui a eu lieu ici même au chef-lieu du territoire de Oicha. Le 27 octobre dernier, plus de 36 personnes ont été tuées, non loin du bureau du chef-lieu du territoire. Alors, les rescapés de massacre ont sollicité que le candidat numéro 21, Martin Fayulu, puisse les écouter. Donc là, nous allons là-bas. Nous allons là-bas. Voilà. Merci, honorable. Merci, honorable. Jean-Baptiste Kasekwa, élu de Goma. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, honorable. Donc, on va d'abord, vous voyez, nous, il n'y a pas que les foules. Nous, oui, c'est la campagne électorale, le candidat du gouvernement, le candidat de la sécurité. Mais nous, regardons, nous voyons aussi nos frères et soeurs, il y a les souffrances, on les écoute, on les attend. Donc, avant les meetings, on va d'abord voir les victimes des massacres. Malgré l'état de piège, enfin, vous appelez ça ici l'état de siège. Oui, en Kinshasa, on appelle ça l'état de piège. Vous avez piégé les gens. C'est bien dit. Merci. Allô? Donc, on vous laisse suivre. C'est ça, Prince Epengue, à la découverte du Congo, le vrai Congo. Pas le Congo que les autres pillent. Pas le Congo que ceux qui sont au pouvoir. Allô? La famille présidentielle ne va qu'à Kolwezi, là où il y a l'argent. Oh, ils vont aller à ici ou là, il y a de l'or. Non, le Congo, c'est le Congo, allô, là où les gens souffrent. On vient avec le président Martin Fayulu. Bonjour. Donc, on va visiter les victimes des massacres ici à Beni. Allô. Notre terre, la terre qu'on a juré de protéger jusqu'au bout. Allô. Voilà. Oui, vous allez me rappeler, s'il vous plaît. Donc, vous constatez, l'électorat du peuple. Il a été élu ici à plus de 90%, partout dans le Nord Kivu. En 90% des voix, le peuple a dit 21 cette fois-ci, janvier, prestation de serment. Voilà. Nanabana Mike, 3 ans, Fayulu, mais quand Fayulu était élu, il n'était même pas encore né, ce petit. Fayulu. Comment tout le monde, Fayulu, même ce petit. C'est bien. Hein?
Ici, nous sommes à quoi? À 1000 km, c'est ça? À 2000? C'est comment? Attends, on va terminer. Oh, je te rappelle, je suis à Oita, je suis à Beni. Lego. Merci. Merci. Non, tu n'as pas la voiture. Comme je n'en ai pas encore besoin, okay, parce que merci. Le monde entier voudrait savoir. Nous ne sommes pas comme les autres candidats qui ne font jamais le direct et ils attendent de monter les images, les fausses images. Nous, on montre en temps réel. Et nous, on ne triche pas, on ne trique pas. On ne donne pas non plus l'argent. Pour ça, attention. Parce que là, la gauche, la droite, on a. Marade, l'exercice est tout à l'heure. Ouais, ça faisait un petit peu. Il faut que je fasse vivre nos enfants, nos petits-enfants, les frères. De Beni, comment ils vivent, c'est important. Mais vous, vous avez une grâce, hein? À Boutembo, non, à Isiro, pas de connexion. On a fait, il y avait une foule énorme à au meeting de Boutembo, de Isiro, à Outouélé. Pas de connexion, Orange, zéro connexion. Même Vodacom, c'est mal la nuit. Et les étudiants sont venus nous voir et disent que ça peut nous aider, nous. On ne peut pas faire nos travaux ici à Isiro. La connexion est zéro. Il faut se réveiller à 2h pour avoir la connexion au Vodacom. Orange, je n'en parle même pas. Une véritable bêtise. À Bouta, là, Orange, ça passe pas. C'est pas possible. On peut descendre ici? Oui. Merci. Tofa, va te faire un coup, on a pour faire un coup. Voilà, ballon. Ballon est contre la filée à tirer beaucoup d'après, ma calé calé. Ballon est en gauti, nao, tcha. Ballon toujours en pointe. Nego, remonte la vitre. Remonte la vitre. Tango. Maman, 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 t'as là. Bonjour. Bonne. Ça va? Merci. Ouais. Bonjour, ça va? Comment on en est? Exercé. Oui, bien, gala. Moi, je suis en train de me faire. Merci. C'est bon accès à la beauté. C'est bon accès à la beauté. Merci. Il y a quoi de papa? Numéro combien? Numéro 21. 21. Vous voyez, bien sûr. Mais vous avez un âge à vous voyez, c'est maman beauté Fayoul. Vous voyez, vous avez ma sécurité. Félix a 5 ans. Parce que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu. Ça va donc Fayoulou, voilà. Fayoulou, à fois, il y a pour changer ma cam. Vous voyez, vous avez qui? Mais bah, il va te pouvoir, Félix, na Kabila, va salinko. En bas là, vous avez même un moutou. Oui, il y a eu ma cam, peut-être à bon samoka. Alors, Biba, Bobi, Batu, Awa. Abobi, Batu, Awa. Mais Félix a le bâti était des sièges, pourquoi pas de vous m'abattre? On est à moi, on a toujours qu'à moi. On Mais n'a bouti vos sacs en dégénie. Mais n'a bouti vos sacs en dégénie. Donc l'état a été. Faut que je me conseille à ma casse à cause de quoi mon bout à zuba décision. Tant que mon bout à zaka ma caméra zaka. Voilà. Anambi, Nami, Angape, Nassali Babini. Nami, alors, Bolo Babai, comme on connaît les cacao. Oui, maman. Félix a lobby, il est presque en sécurité à Wanabini, c'est vrai?
Faïlou Mokola Koya, maman Nenga Lobaki, Yakoya Kova Nabino Awa. Et puis, il y a un peu de jour pour la sécurité. Je suis au bout du temps à Zaga, quand même, je suis au bout de Zaga. Vous êtes à la tête. Oh, congolais, c'est le problème de la Zala. L'un de la vie, c'est un bon. Soyez. Bon, moi, à la semaine, je vais vous dire. 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 Territoire. Merci beaucoup. Balobi Mathieu, état de siège. État de siège, jamais battre les minotés. Avocat, t'as vu nos micro-ognons. Mota, tous en avant, tu vas te battre, Papa ni nagoti kabana na ibabu magabango intervenir ici. Voyez, Félix est na kinchata la ba voyage. Ba voyage, ata ba kufi aya gaté. Ba na aya gaté. C'est un pays, on a une armée n'a pas besoin de Samosan. Il y a des armées à EAC, à même si on va au Gandé, à Bounde, qui m'a pris à Koyate, à même si on va au Soudanais, on ne peut pas bomber, pas de la voix, on ne peut pas la biseau. Tant qu'on bouge à Zaka, on peut la gâte. On les a combien de mètres? Oh, ils ont mis la tête. Ah, on a ma colère. Papa, on a failli ma table de bosser à Nera Lubaki. Hier, à Koya, et le Balibosso, à l'Obaka, armée spéciale, frontière de Kangi à Monan. Bolingina, photo, hein? Y'a le Balingala bien, hein? C'est bon, pour le Balingala, c'est bon. De quoi n'a pas eu la dame de papa Tignos. Voilà, merci. Ah, il y a un maman. C'est bien, hein, maman. Au niveau de papa, c'est bien, hein. Mais ça m'a. Kadi malinga tricher pour Alex à Félix, c'est ce bon du Mayangote. Faut que Félix a tikali na Congo, insécurité est continuée. Thank you.
Malembe, ils allaient un peu s'abîmer. Malembe, ils allaient. Ma, Tango, ma. Ma, bonjour. Voilà. Le meeting ici à Otia, où on a massacré les gens, 50 Congolais sont à la mort, 50 Congolais, pas Burundais, pas Ougandais, pas Rwandais, pas Kenya, 50 Congolais, pas Français, pas Américains. Et on nous dit qu'on a mis des mesures sécuritaires. Le numéro 21 va résoudre tout ça, avec l'aide de Dieu, avec la capacité, les capacités intellectuelles qu'il a, et l'amour du pays qu'il a. Voilà comment Fayulu être ici chez lui, chez lui. Ici, les votes se faillent. On verra pas de nous. Donne-nous pas de tisserie. Sa maman, hein? Combo nonan, combo nonan, nani, Ange, ah, bravo, dis bonjour à maman, hein? Alors, maman, bonjour, hein? Non, oui, ça, pardon. Attends, on va voir là-bas. C'est devant? Oui. Rainer Jackson, hein? Oui. Merci beaucoup. Les gens apprécient beaucoup. Non, le moment fait des témoignages. Okay. Donc, que ça fait peur. Aucun des chauffeurs. Attention. Il faut signer, faire signer lui aussi. Ils m'ont dit qu'il y a 50 corps à la morgue. Non. Ils ont dit qu'on avait massacré les gens ici. Oui. Beaucoup de gens. Oui. C'est 56 personnes déjà. L'une, ça monte. Ah, si on continue direct, on va aller jusqu'à 700 personnes de partout. Dans les temps, comment on réseau ça, musique, il va chanter des